me mettre un meeting, une assemblée et un concert au MEDEF, une aide au MEDEF. On a pensé et on a discuté un peu dans cette réunion préhachée de MEDEF et de la démocratie en général. Je ne veux pas soumettre à ça. Il y a un atelier à la révolution permanente et après que cet atelier je parle, on n'interrompt pas son locuteur et je suis le modérateur. Je peux m'en souvenir. Donc, je vous propose comme thème. Vous pouvez faire des oppositions et proposer un autre thème pour cet AG de ce soir. On attend que le départ de la révolution permanente soit déterminé pour lancer définitivement l'AG de ce soir. Et il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire et qui devront rester à l'AG, et je les invite donc à s'asseoir pour participer plus dans le confort à l'AG. En attendant que ça se remplisse et que nos camarades nous rejoignent, on va débuter le tour de parole. Juliette et Hélène vont prendre... vous prenez les tours de parole. Juliette et Hélène seront les preneuses de tours de parole. On va essayer d'établir une diversité, un mec, une fille, car on est une organisation qui promeut l'égalité des sexes. On essaye d'avoir un temps égalitaire sur tous les... On essaye. Un temps... un temps égal à tout le monde pour dynamiser le débat. Je vais aussi, dans quelques instants, vous rappeler les signes. Mais maintenant, Nils, tu commences là. Merci, merci. J'ai l'impression d'être dans un film, une foire, un festival. Non, alors bonsoir tout le monde. J'avais plein de choses à dire, mais en fait, ce soir, il y a une idée qui m'anime un peu plus forte. C'est l'idée d'aller provoquer un petit dialogue avec ces messieurs qui nous entourent là-bas là, et qui nous surveillent. Alors moi, mon idée, elle est personnelle. Je vais aller parler de ce que moi je pense, mais j'aimerais bien y aller avec un groupe de personnes assez hétéroclites. Avec plein de gens différents, il y a la commission SDF qui se propose aussi de venir m'accompagner. Moi, je vais leur parler, je vais vous donner un exemple, je vais leur parler de constitution. Je vais leur dire que j'aimerais bien que soit tiré au sort des gens qui l'écrivent, ou alors qu'il y ait des gens qui soient tirés au sort pour contrôler les institutions du pouvoir. Des trucs comme ça, quoi. Et je pense que le but, c'est pas forcément d'attendre une réponse de leur part, mais juste de leur faire passer l'idée qu'on n'est pas que ce qu'ils peuvent imaginer de nous, ce qui est trimballé dans les médias, et leur montrer tout de suite, maintenant, là, ce soir, là, dans l'instant, que bah, on peut parler avec eux sans se foutre sur la gueule, juste en leur disant ce qu'on pense. Voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés, moi, je suis chaud pour le faire tout de suite. Voilà. Et après, parler de plein d'autres choses que je pense, ce sera pour une autre fois, et je pense. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole après moi ? Poursuivre le dialogue, je sais pas. Avant que je donne la parole, vous savez qu'à la nuit debout, on a des signes pour communiquer en silence. Donc, Juliette va dire, vous faire les signes à chaque fois que j'en dis un. Alors, quand on est content, on fait quoi ?
Voilà. Quand on dit tu rabotes, ça ne nous intéresse plus, avance à ton propos. Voilà. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'est vraiment pas d'accord, mais on a d'autres propositions. Merci, une opposition radicale. Propos sexiste, validiste, homophobe, raciste. Voilà. Calmez-vous, calmez-vous. Point technique. Réponse directe. Et je demande la parole. Voilà. Donc, maintenant que vous avez ces signes, faites-les. Si vous ne les faites pas, je serai intraitable. Je vous rappelle de vous asseoir pour que vous soyez plus confortable et pour que le son se diffuse très bien. Désolé, c'est la première fois que je m'autère. Et on va continuer les tours de parole. C'est à qui le tour ? Elle est en train de passer. Mais vas-y, discute. Rappelle-leur qu'il faut jeter les déchets à la poubelle. Il faut... les déchets à la poubelle, car nous ne sommes pas comme les médias nous disent. Nous ne sommes pas des petits délinquants qui laissent la place de la République comme une déchetterie. Asseyez-vous, vous serez plus confortable et le son passera mieux. Aussi, soyez civils entre vous. Nous sommes une communauté. Pour moi, c'est mon sentiment seul. Lâcher, c'est un ensemble de discussions pour voir où est-ce qu'on converge et où est-ce qu'on est en désaccord et pour voir quel but on veut achever ensemble. Donc, est-ce qu'on a des frettes ? Frettes. Fred. Merci. Bonjour ou bonsoir. Voilà, donc je m'appelle Frédéric. Je suis salarié d'une entreprise qui s'appelle la SNCF. Donc effectivement, j'ai la possibilité de parler préavis, de faire grève. Sauf que financièrement, bah, j'ai pas les moyens. Donc ça m'embête un peu. Donc j'ai réfléchi un peu sur comment, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, on est tous pris à la gorge, on est tous à espérer un lendemain meilleur, mais on n'a pas les moyens de le donner ni à nous-mêmes ni à nos enfants. Donc en fait j'ai réfléchi et en fait je me suis dit comment les salariés de ce pays, de quelque entreprise que ce soit, puissent s'extraire de ce système qui les pourrit, enfin qui leur pourrit la vie, excusez-moi, et qui les rend dépressifs. Et en parlant de dépressifs, j'ai dit dépressif, dépression, donc dépression, docteur, c'est logique. Voilà. Donc en fait, j'ai réalisé que tous les salariés de ce pays, quelles que soient leurs entreprises, ont une carte vitale entre leurs mains et que tous peuvent s'extraire pour la modique somme de 23 euros de cette société, en se mettant en burn-out sociétal ou dépression en français. Moi, je préfère le terme burn-out sociétal parce que quand vous prenez les initiales de burn-out sociétal, ça fait boss. Voilà. Et donc, on passe en mode boss. Voilà. On devient les boss. On prend notre destin en main. Voilà. Donc, on se met tous en arrêt maladie pour cause de dépression. Lorsque vous êtes en arrêt maladie pour cause de dépression, les sorties sont libres, autorisées, sans contrainte d'horaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Voilà. Et en ce moment, le gros buzz
faire, bah, c'est d'aller dans la rue et puis leur dire on n'est pas content. Voilà. Donc ça permettrait aux gens de se libérer du temps pour venir nous rejoindre, bien sûr sans armes, sans zen et sans violence, parce que notre mouvement n'est pas violent, contrairement à ce que les médias veulent faire croire. Et donc ça permettrait aux gens de venir nous rejoindre. Voilà. Maintenant, ce qui en est de la mobilisation et de la grève générale, je peux vous dire par expérience que bah, malheureusement, il y a des préavis. Merci. Il y a des préavis qui ne sont pas affichés, donc les gens ne peuvent pas se mettre en grève. Voilà. Et par expérience aussi, je peux vous dire que quand on veut pas qu'un mouvement réussisse, eh ben, on le divise. Et là, vous pouvez bien constater que les cheminots sont appelés bah, 2 jours par semaine. On appelle les aéroports à un autre moment, on appelle les intels à un autre moment. Et donc, en fait, on divise le mouvement, on les souffle. Donc